Hey, salut tout le monde, c'est Mister Diamond 24, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 dans un musique. Et on se retrouve avec plein de poubelles partout, parce que j'ai pas de camion poubelle, j'ai pas de décharge. On va se passer une décharge. On va se la placer dans un endroit qui pue pas trop. Non, juste avant, voilà, c'est parfait. Les pompiers, c'est pareil, on va devoir passer tout ça. Attends, on va se ruiner à cet épisode, un truc de dingue. Hop. Peut-être que les pompiers, ouais, c'est plus urgent. Allez, c'est matoleur. C'est bon, je peux me le placer. Voilà. Et ça, on va se placer en plein milieu parce que les pompiers, ça va aller super vite. L'électricité, pas de problème. Donc, aujourd'hui. Ah! T'as déjà eu des problèmes. Bâtiment en feu. Ok, les pompiers, il faut qu'ils arrivent plutôt vite parce que sinon, il va y avoir des problèmes. Et on va vous rajouter un camion de pompiers que je suis sûr que je vais pas avoir l'argent. Voilà, c'était sûr. Bref, ces choses-là arriveront quand l'argent arrivera. Logique. Et puis on va essayer d'étendre un peu notre ville. Alors, demande résidentielle qui baisse. Ah, parce qu'on a déjà des gens pauvres. Alors, les smiles. Comment ils sont les smiles? Ils sont cool? Ah, toi, t'as un problème. Ah, t'es mort. Ok. Il y a un autre mort. Ah, ouais, il a pris feu, je sais. La densité de population, c'est plutôt cool. Les gens sont contents. Il y a beaucoup d'employés. Bah, logique, il y a beaucoup de commerce. Il faudra qu'on place une école. Et puis, les clients, il y en a quelques-uns dans les rues. On va étendre notre quartier par là. On va essayer de voir si certains sims ont des problèmes. Tata, toi t'es content, tout le monde est content, bah c'est cool. On va créer une route par là. On va étendre ça. Parce que ça va être mon avenue secondaire. Bon, tant pis, on va l'arrêter là. Hein, voilà. Puis là, on va se refaire des petits carrés comme tout à l'heure. Hop. Truc sympa comme ça. Et j'ai plus de sous. Voilà. Allez le peuple. Et là je pense qu'ici on va faire des petits quartiers comme ça. Avec ici des petits quartiers l'entourant. Puis un autre gros quartier au milieu. Toujours en rond. Content, ma décharge s'occupe des poubelles, les commerces ils sont ravis, c'est ce que je vois. Hein. Ah d'accord, il y a du monde qui attend. Cocktail carné, ok. Alors, le monde il est content. Alors, ici, t'es bientôt prêt à évoluer. Alors, vous voyez ici, alors le terrain nu est comme ça, donc ça c'est pour les pauvres. Le rouge, c'est ce que développe l'industrie, hein, c'est normal. Ensuite, plus le terrain va être bleu foncé, plus les Sims riches vont être attirés et vont habiter dans cet endroit. Donc pour l'instant, ici, on va essayer de rester le plus neutre possible parce que ça devient vite un gros bordel, mais bon, ça va se faire tout seul, hein. Les riches vont arriver tout seul si on prend le temps de tout faire correctement. On a bientôt 5000 habitants. Ouais, il y a beaucoup de morts. Ah, il y a beaucoup de morts. Tout est plein. Pas assez Team Flouz. Ah, ouais, écoutez, ils vont attendre, ça va crever. Bon, là, on est d'accord qu'il n'y a pas assez de densité. Mais bon, hein, petit quartier comme ça, c'est mignon, c'est joli. On va refaire un et puis un dernier. Et puis après, là, on fera vraiment du gros, du large, du tout ce qu'on veut. Un truc de large, bah comme ça, quoi. Alors, je suis en train de me dire, je crois que j'ai raté une route, là. Ah ouais. Trouver ça bizarre. Bon, vous m'irez là aussi, je l'ai raté, c'est pas grave, c'est pas du tout fait pareil, c'est pas grave.
Le principal, c'est qu'il faut pas que ce soit... Il faut pas que ce soit trop petit, parce qu'après, les buildings pourront pas arriver. D'ailleurs, je crois que là, ils ne pourront pas arriver. Mais bon, on verra bien. Ça, tu vas te casser, parce que c'est très moche. On pourra s'étendre par là, bien sûr. Pour l'instant, on va attendre que le peuple arrive. Toujours chômage. Toujours trop d'employés. Oui, mais je veux pas qu'il y ait du commerce de riches. Du coup, peut-être qu'il nous manque du commerce de pauvres. Et on va créer du commerce de pauvres. Là, on va recréer des gens. Hop. Puis là, hop. Voilà. Puis tout le monde. Hop. Hop. Voilà. Puis là aussi, on va créer des gens. Voilà. Comme ça, il y a du peuple. Alors, on gagne du fric pour l'instant. La médecine nous a coûté très cher. Donc plus on va avoir de gens, plus ici ça va augmenter, plus on va gagner. Noir, bien, rouge, pas bien, améliorer votre hôtel de ville ou mairie pour contrôler les taux d'imposition de catégorie. Ok, d'accord. Donc dans pas longtemps on va pouvoir augmenter le niveau, le level de swag de cet hôtel. Attention. Bon. Voilà, donc c'est ici que l'on aura des modules. Voilà, donc là déjà on peut contrôler le niveau d'imposition des maisons, des commerces et des industries. C'est plutôt cool. Après on pourra carrément contrôler les moyens, les pauvres, les moyens, les riches. Donc ça c'est plutôt cool. Non, je m'en fous de toi. Donc là, vous voyez, on a ici les plusieurs modules donc, qui permettent de créer des... Donc là, accès régional accordé... station de pompage, station d'épuration et centrale de recyclage, ça va être très important parce que ça va être les ressources à la ville. Ça aussi sera le plus important après. Et ça ensuite, où on verra, ça dépend. Ça sera enfin si on veut développer le grand projet. Enfin bref, on a le temps, c'est dans longtemps. Voilà, c'est ça le ministère de finances, c'est pour contrôler les différents taux d'imposition par zone et niveau de richesse. C'est exactement ce qui est marqué, voilà. Puis après on a carrément... un simcoptère pour les mères qui aimeraient soigner leurs entrées. D'accord, ok. C'est de la merde, ça coûte de l'argent pour rien. Ah, alors, est-ce que ça coûte cher déjà? On va placer ça, le bureau progressif. Donc c'est un petit kit que j'ai acheté. Enfin, que j'ai même pas acheté, je l'ai téléchargé, il est complètement gratos. C'est pour, en gros, faire une garantie, couvrir la ville de garantie. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est plutôt cool. Où est-ce qu'on va placer? Premier lieu là, croyez? Peut-être dans le quartier des riches plus tard. Ouais, on va le placer dans le quartier des riches. Ça m'a l'air pas mal. Côté de la. Ouais, c'est cool. Hop! Alors, une vague de smile. Hop, de toute façon, ça va s'étendre là. Non! Bon. J'aurais cru. On a de l'argent, on a des Sims qui arrivent, on gagne de l'argent, mais tout va bien. Tout va bien. De nouveaux logements très agréables sont en vente dans la ville. Contactez votre agent immobilier local. Donc ça veut dire qu'il y a des résidences un peu plus aisées qui se sont construites. Et oui, ici. Donc, ah, ça c'est à cause de la valeur du terrain. Donc ça veut dire qu'on a des gens. Voilà. On sera bientôt. Ah, mais il y a beaucoup trop de gens. Il faut qu'on ait beaucoup plus de commerce. Qu'on ait beaucoup plus de commerce. Alors ici on va commencer à faire ce que j'avais dit tout à l'heure. On va longer. Trop proche d'une intersection existante. Ah, il se fout de ma gueule. Bon, bah tant pis, on va le faire tout droit. Hein. Et c'est là qu'on va placer des grandes routes bien larges pour pas qu'il y ait de problème de densité. Parce que vous allez voir que ça va être un problème après. Donc on va se mettre à chaque fois entre. Donc il y aura beaucoup moins de place. Hein, logique. Hop. Et on cadre tout ça en deux. Voilà. Et on place du commerce. Parce qu'il nous faut du commerce. Et le reste, on place des gens. Et là, on crée des emplois. Non, pas des emplois. Qu'est-ce qui s'est passé? Braquage en cours. Ah, la police.